Penelope Cruz, ultra glamour pour la campagne de John Hardy. Penelope Cruz est le visage de la marque de joaillerie John Hardy. Une marque qu'elle a choisie pour ses valeurs. Après Cara Delevingne et Julianne Moore, c'est au tour de Penelope Cruz d'être le visage de la marque de bijoux John Hardy. J'ai dit oui immédiatement, a-t-elle raconté au magazine Vogue pour expliquer cette collaboration. J'adore ce qu'ils font, une mélange entre rock'n'roll et élégance. Glamour en somme, ce qui correspond au style de l'actrice espagnole, éblouissante à chacune de ses apparitions. En robe Chanel ou en tenue Versace. Mais côté accessoires, Penelope Cruz préfère le minimalisme. Je ne m'achète pas de diamants, je préfère les bijoux que je peux porter tous les jours avec un jean et un t-shirt. Pour John Hardy, Penelope Cruz a donc posé en robe bustier avec de nombreux bijoux argent et or, de multiples colliers et de longues boucles d'oreilles. Une séance photo très sexy. C'est important pour moi que tous les projets que je fais soient en accord avec mes valeurs. Cela a été très naturel de travailler avec une marque comme John Hardy qui prête attention à son image dans le monde et qui contribue à un avenir durable, a expliqué l'actrice à Harper's Bazaar. Elle a ajouté, tous leurs modèles sont fabriqués à la main à Bali en utilisant des techniques qui se transmettent de génération en génération et sont faits avec de l'argent et de l'or recyclé ainsi qu'avec des pierres d'origine éthique. J'aime également beaucoup le fait que la marque défend femmes artisans ou entrepreneurs.